Yvonne, est-ce qu'il y a des conseils à donner pour trouver sa place? Oula, ben ça c'est la méthode camisole de force. Oui, stand de force. Ça marche bien. Vous ne l'avez pas assommé quand même, le petit. Il s'est endormi. Je l'ai calmé, Sophie. Ben dites donc, c'est du... Je l'ai calmé, j'ai un peu hypnotisé ou quoi? Un peu, oui. Je l'ai calmé, je l'ai caressé, il a dormi. Attendez, il m'inquiète quand même, ce petit. Il dort. Il dort, hein? Oui. Il est quand? Hein? Il dort. Il dort. Il est tout calme. Ah ouais? Ah, est-ce que vous pourriez me faire la même chose, Yvonne? C'est impressionnant. Alors, pour trouver sa place, Sophie, pour trouver sa place, eh ben, je crois qu'il faut se considérer comme des frères et des sœurs. Chacun a une individualité bien particulière. Vous pouvez avoir des passions communes, mais au fond, eh bien, vous êtes quand même unique. Et je crois que c'est dans l'unicité et dans l'autonomie que vous trouviez votre que vous trouvez votre place. Mais il doit y avoir certainement un parmi vous qui contrôle le reste de la fratrie. Hein, je pense que... Exactement. Hein, il y a le moniteur de la colonie de vacances. Exactement, c'est elle qui dirige. Voilà. C'est... Il y a la monitrice. Alors. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un pour calmer vos enfants, vous savez où la trouver. Hein, c'est assez...